Bon matin à toutes et tous, ravis de vous retrouver pour le message intuitif. Eh bien, de ce lundi 21 février 2022, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Aujourd'hui, loi d'attraction. Qui ne connaît pas la loi d'attraction? Comprendre la loi d'attraction, eh bien, pourra vous donner les clés utiles pour votre bien-être ainsi que la réalisation de vos projets. Alors, cette loi, n'est-ce pas, suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Alors, les événements, n'est-ce pas, extérieurs, ne seraient donc pas toujours fortuites. Eh bien, cette carte est donc là pour vous expliquer que vous pouvez cultiver des pensées positives pour tout simplement attirer du positif à vous, n'est-ce pas? Exemple, c'est comme un champion qui se prépare mentalement, eh bien en visualisant le match qui le mènera à la victoire. Et pourquoi pas vous visualiser vos rêves et vos envies pour tout simplement les faire venir à vous, n'est-ce pas? C'est comme un autre exemple, et je vais prendre une image, et cette image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste du Père Noël. Pourquoi pas vous? Écrivez et posez vos intentions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Faire confiance, eh bien, crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. Pourquoi pas, si vous avez envie d'acheter une belle maison? Regardez dans un magazine la maison que vous aimeriez avoir. Découpez-la et mettez-la sur votre frigo. Et tous les jours, visualisez cette image. Et vous vous dites, ça, c'est la maison que je vais avoir. Si maintenant c'est une voiture, visualisez ou découpez dans un magazine la voiture que vous aimeriez avoir. Et vous mettez ce découpage sur votre frigo où vous avez vu tous les jours. Et vous regardez cette image et vous dites, ben voilà, à propos de la voiture, ça c'est la voiture que je vais avoir. C'est ça la loi d'attraction. Si maintenant vous voulez partir en vacances, aller dans un pays, aller dans un magazine, découpez la photo du pays que vous voudriez visiter. Et tous les jours, eh bien, c'est le voyage que je vais faire. Et on est en pleine loi d'attraction. En fait, essayez de créer votre tableau de visualisation pour mettre en place, eh bien, cette loi d'attraction. Et pourquoi pas prendre un tableau vide ou une grande feuille cartonnée, n'est-ce pas, et dessiner ou découper, écrire et découper dans un magazine ou imprimer des images, eh bien, qui vous inspirent et qui représentent vraiment un projet, ce que vous aimeriez, ce que vous avez envie.
Et ça vous donne l'objectif, n'est-ce pas, évidemment. Et ça peut être, comme je vous l'ai réénuméré, ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être un voyage, ça peut être une voiture, etc., etc. Et placez ce tableau dans un endroit, eh bien, où vous le verrez tout le temps. Ça, c'est très important. Ainsi, eh bien, vous affichez vos intentions et ils seront attirés vers vous. Voilà pour le message intuitif de cette journée. On commence bien la semaine, n'est-ce pas, la loi d'attraction. Et on termine avec message lumière, le réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant, eh bien, la certitude de n'être jamais seule. Je terminerai, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie l'univers pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.